du coup j'ai eu un petit bug tout à l'heure, donc on va essayer de relancer. Donc me voilà de retour, donc j'espère que cette fois-ci ça... Je débute, j'ai pas encore fait de match en ligne, j'ai jamais fait en équipe dans le mode salle. Donc dans le mode salle et c'était assez assez showtime. Voilà. Donc cette fois-ci je joue contre les rois crack 1. Donc contre moi. Et j'ai l'impression que c'est exactement le même mec que tout à l'heure. Donc on va bien voir. Et salut la quatrième personne qui vient de nous rejoindre. Bienvenue à toi, mets-toi à l'aise. Regarde-moi galérer et prends une raclée. Yuga, voilà, voilà, on a un peu le même type d'équipe. J'ai le même attaquant. Bon, après, moi j'ai pas du tout touché à l'équipe parce que tout simplement je viens de débuter le jeu, donc voilà, j'ai certainement peut-être pas avancé assez avancé dans le mode histoire. Ce qui fait que j'avais pas énormément de possibilités. C'est bientôt l'heure du match, la foule est incandescente. Les fans encouragés de leur équipe, c'est un match d'anthologie. Attention, on est parti pour un gros match. Le prestigieux lycée de Musashi nous accueille aujourd'hui pour ce match. Déjà 3. Waouh, ça commence bien. Et un petit tacle. On joue en passe. Allez, on y croit. Oui, c'est joli. Ouah, j'ai pas fait ma technique. Pas assez rapide. Alors, perso, donc du coup, bon, j'ai le jeu depuis, depuis hier. Bon, en même temps, il est sorti le 28. Et je le trouve vraiment excellent, franchement. Voilà, pour avoir grandi avec... ce manga, cet animé, c'est super cool de pouvoir offrir les super techniques. Et salut à la cinquième personne qui vient de nous rejoindre. Ah là là, tir du tigre. Oui, joli gardien. Donc n'hésitez pas à mettre vos PSM ici ou MC si vous voulez affronter. Et qu'est-ce que tu fais toi? Mais oh. Allez. Oh oui. Non mais non mais. Ouh, tir de l'aigle, du faucon. Alors, heureusement que j'ai un bon gardien. Hein. Et j'ai pris un but. Ah non, ça va. Allez Sanada, on croit en toi. Allez, allez Tachibana, allez Yuga, petite passe. Ah, j'ai fait trop de jouer perso, je me crois sur FIFA. Alors après, j'aime bien la difficulté du jeu parce que justement, ça se joue vraiment... Oh, c'est quoi ce glissade de ouf? Allez. Allez, en passe. Ah, je lui redonne le ballon. Quel débile. Alors par contre, j'aurais apprécié un petit clin d'œil à la VF. Au moins pour le générique, ça aurait été marrant. Allez. On récupère le ballon. Allez, on y croit. Alors par contre le truc c'est limite du rugby, l'arbitre il est inexistant. Allez, allez, cours. Oh. Ah, je rate mes tacles. Voilà.
Allez, faut que j'attire mon tir du tigre. Et c'est le but. Et 1-0 pour Franck Tipech. Allez, on commence bien. Alors, je maîtrise pas du tout toutes les techniques du jeu. Allez, Sanada. Oui, allez. Petite rediff pour bien profiter. Et voilà. Bon, Geronimo, voilà, faut vraiment que tu te le prennes. J'ai hâte de te défier dans ce jeu. Ah, dommage. Dommage. Et lui, il faut l'arrêter parce qu'il y a un mètre. Voilà. Qu'est-ce que tu crois? Allez, un petit troisième. Oui. Ah, je sais pas qui m'a. Wow, lolo, il m'a fait quoi lui? Alors là. Allez, le gardien, t'es un bon. Oui. La milieu. Oh non, il lui a redonné le ballon. Allez les gars, faut pas qu'on se fasse mener là. Et allez, un petit tir à grande vitesse. Ah, il est pas rentré celui-là. Mi-temps. Alors on va faire un petit changement quand même. Alors j'adore le commentateur, franchement, je suis fan. Alors, on va laisser les deux jumeaux. On va changer lui. On va mettre lui. Et pour le moment, on va rester comme ça. Allez, go! Voilà, donc honnêtement je suis vraiment pas déçu, c'est vraiment un bon petit jeu. Donc je mettrai également des extraits sur la télé du grenier puisque je tiens une page et un groupe Facebook sur les dessins animés et séries d'antan. Voilà, donc ça s'appellera et bien sûr sur Mister LOL. Oui, c'est beau. Alors celui-là il est magnifique, rien à dire, ils m'ont égalisé mais le but il est magnifique. Allez. Allez, on y croit pour mettre le troisième but.
Ah, c'est pas vrai. Allez, la défense. Bah non, le mec qui... Oh, joli gardien. Qu'est-ce qu'il fait par terre, l'autre? Le mec, il est par terre, on sait pas pourquoi. Voilà, corner. Allez. On y croit. Ah, c'est pas vrai. Voilà, joli. J'aimerais gagner mon premier match quand même, ça serait pas mal. Ça serait bête de perdre, mais non. Ah, j'ai pas eu le temps de tirer. Il est où mon joueur? Il est là. Ah mais non. D'accord, il y a des joueurs, ils sont par terre, on sait pas pourquoi, mais on sait pas pourquoi. Trop loin, trop loin. Alors Jérôme, sinon tes premières impressions sur ce jeu. Dis-moi tout. Allez, on va pas faire match nul, les gars. Et allez, j'ai pas fini mon tir. Allez. Non mais c'est pas possible, j'ai pas attiré. C'était joli. Oh, je t'ai pas demandé de tirer, mec. Mais c'est pas vrai, il m'arrête tous mes tirs. Tu vas le prendre, toi, troisième but. Je te le dis. Allez. Ah oui. Et but. Goal, 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 goal. Goal zéro, yoga. Est-ce que je vais gagner mon premier match en live? Ça serait beau. Allez. Allez, on tente de loin. Ah, il a arrêté. Non, honnêtement, il est quand même vraiment super bien foutu. Il est vraiment hyper hyper bien foutu. Et j'ai gagné 3-2. Voilà, c'est magnifique. Magnifique. Donc on va voir un peu
bah, ce que ça fait de gagner. Voilà. Donc ça fait 16 minutes de live. Donc je pense pas que je vais faire beaucoup de matchs, parce qu'en fait ce que j'aimerais c'est faire des petites vidéos. Voilà, donc là c'est un live. Après je pense que je referai une vidéo hors live pour faire un petit test global du jeu. Que je posterai évidemment sur Geek City, sur Mister LOL. Donc il n'y a plus de ligue, donc je suis en ligue débutant. Captain Tsubasa, le seul manga de foot où les terrains de foot font au moins 30 km. Les taxes se font minimum à la hauteur des genoux, mais si des fois c'est pas arbitre payé par des Français juste pour siffler la mi-temps et la fin du match. Seul manga où tu vas à la fin du match, plus de morts sur le terrain que de Yuon, c'est ça. Donc oui, je disais, c'est le mode online est composé de ligues, donc moi je suis en ligue débutant et en fait au fur et à mesure on grimpe. Salut donc Camio, ça fait un bail. Ça va et toi? Donc, la saison se termine dans 64 jours. Condition atteinte, 50 d'évaluation. Condition de relégation, aucune. Bon allez, on va se faire un autre petit match. Voilà, un autre petit match. Donc ouais, donc Camio, ça fait un bail. Et salut à la quatrième et cinquième personne qui vient de nous rejoindre. Adversaire trouvé, allez c'est parti. Donc premier match gagné, donc c'était pas compliqué, mais voilà, oh, crack 0-2. Rampant chasseur serpent, le Claude contre le serpent, c'est parti. Ouais, j'ai craqué sur Tsubasa, bah j'ai avec les différentes vidéos que j'ai vues et tout, je me suis dit qu'il fallait que je le prenne. Mais en vrai, j'adore Olivier Tom, donc du coup voilà, ça me bottait bien de pouvoir y jouer enfin sur console avec un vrai bon jeu. Bah du coup donc Camio, je sais pas si tu joues en ligne, mais bon, ça serait plutôt marrant qu'un de ces quatre on se fasse un petit match, pourquoi pas. Oh, bon ben j'ai passé l'intro, hein, on s'en fout. Alors ça va être compliqué les couleurs. Et ça m'empêchera pas de marquer un but. Ah, t'arrives pas à marquer. Allez Nakai, Kachibana, Saranada. Oh, 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 qu'est-ce que tu fais toi? Alors, faut savoir qu'hier j'ai commencé le mode aventure où on personnalise son personnage et j'ai mis au moins, j'ai dû refaire le match 5 ou 6 fois, le tout premier match. Parce que je faisais que faire des 0-0. Ouh, c'était beau. Allez. On va tenter Fifou. C'était beau, dommage, c'est pas passé. Alors le secret dans le jeu, c'est qu'il faut
maraver les autres joueurs, voilà, tu les maraves, tu les laisses pas courir. Voilà, c'est un match de rugby en fait. Ah. GG, est-ce que tu es toujours dans la place? Ouh. Touche. Donc on a perdu le sergent GG du coup. Trop de violence pour lui dans ce match. Oh là 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 là. Le mec il a rebondi par terre, il s'est fracassé la tête. Allez, on y croit. Allez, Sanada. Yuga. Yuga toujours. Ah, j'ai pas eu le temps de charger mon tir. Allez, Yuga encore. Tire du tigre. Eh mince, il est coriace lui. Allez, on tente. Et but! Allez, 1-0. Ok, je ferai davantage d'efforts. Mais salut la 6ème personne qui vient de me rejoindre. Oh oui, c'était magnifique! Ah! Tu m'as enlevé le 2-0 là, mec. C'est pas cool. Ah, j'ai raté mon tac. Donc la 6ème personne est toi à l'aise. Hein. Donc je galère pas de trop, à moins qu'ils égalisent, parce que je galère juste à trouver bon joueur. Allez. On va tracer sur le côté. Alors franchement le jeu est quand même super bien foutu. Honnêtement. Allez. Oh oui. Mais non. Je sais pas si mon tir. D'accord. Bon allez, c'est la mi-temps, on gagne 1-0, on est bien. Et salut la 7ème personne qui vient de nous rejoindre. N'hésite pas à nous follow, et n'hésite pas à parler sur le chat. Et n'hésite pas à m'ajouter sur le PSN si tu veux jouer en ligne. Allez. Alors j'ai vu des gens qui se plaignaient que l'arbitre était un peu inexistant. Moi je trouve ça plutôt cool en fait de pouvoir fracasser le joueur. Et puis bon, faut dire ce qui est, des coups francs dans le jeu, voilà quoi, il suffit que tu fasses ton ta technique spéciale et t'es à peu près sûr de marquer. Allez oui. Et salut la 7ème personne! Bienvenue à toi! Et s'il me fait lui? Allez, dans le trou! Ah, j'ai fait n'importe quoi!
Bah après il y a quand même des hors-jeux, donc c'est qu'il doit y avoir quand même un arbitre. Je pense surtout qu'il s'en bat les steaks des fautes. Alors par contre quand tu fais les techniques c'est un peu long parce que tu peux pas accélérer. Du coup faut être sûr de ton timing en fait. Joli. D'accord. Bon en tout cas c'est bien nerveux. Oh mais je fais n'importe quoi. On s'ennuie pas du tout. Allez Tachibana, Hyuga, il est démarqué. Ah couteau. Alors j'ai commencé le jeu, honnêtement j'ai joué vite fait hier soir. Et bon là j'avoue c'est un peu long que j'ai joué cet après-midi. Ah mais non. Il est où mon joueur? Alors après donc Amio dans ce jeu faut pas hésiter à attaquer. Ouais, tu vois le mec courir, tu le tacles sans pitié et là j'ai fait n'importe quoi. Non c'est bon, il y a mon défenseur. Voilà, faut les... Non! Là, je vais peut-être prendre un but. Non, c'est bon, il est pas rentré avec dans les cases. Bien joué, gardien. Et souvent, faut tout miser sur l'attaquant star de l'équipe. Donc là, je mise tout sur Hyuga. Alors là, par contre, j'ai fait n'importe quoi. Allez, on dégage. Oh oui, c'était magnifique ça. Allez, Hyuga. Il est lancé. Est-ce qu'il va mettre le deuxième but? Ah, j'aurais dû appuyer avant. Il était bien lancé, c'est dommage. Voilà, j'ai pas eu le temps d'activer son... Oh, il fait quoi lui? Non, oh là là, je l'aime mon gardien, je l'aime. Alors lui je le garde à mon équipe. Lui. Oh, oh, là, là, là. Oh oui, que c'est beau. C'était magnifique, ça c'était bien joué, ouais. Mais non, par contre, des fois les passes. Oh là, c'est quoi ce caca fouillard? Et voilà. Et match gagné, donc avec 1-0. Ben en tout cas, je viens de gagner mon deuxième match. Voilà. Donc salut Athènes, je sais pas si tu es une vraie personne ou un robot, mais en tout cas bienvenue à toi.
Donc n'hésite pas à nous follow. Bonus série de victoires. Ah, je suis en ligue débutant 2. Joli, joli, joli. Pas de trésor. Cool. J'ai débloqué qui? Tepei Kizugi. Masao Tachibana. Deuter Müller. Ça doit être un allemand. Des bracelets vite. Hajime Taki. Et les Sid Pierre. Manfred Marius. Carlos Barra. Ça c'est un Brésilien, ça j'en sais, c'est un Brésilien. Koji Nishio. Mégaphone en cours. Bracelet blanc. Koji Nishio. Bandeau de lien. Masao Nakayama. Ismaël Sangor Ebe. Cool. Bon, donc 2 matchs, 2 victoires, voilà, c'est pas mal. Donc sur ce, je vais m'arrêter là parce que ça fait 33 minutes que je live, et 33 minutes c'est déjà pas mal, comme ça ça n'est pas une vidéo trop longue pour ceux qui voudront revoir la rediff. Donc je vais essayer de uploader des bouts de vidéos sur les pages Geek City, sur ma page personnelle Mister LOL, donc l'étrange gaming, enfin l'étrange petit monde de Mister LOL, donc Camille, si tu as Facebook, n'hésite pas à liker les deux pages. Et quant à moi, je vous dis, je pense à bientôt pour la suite de mon épopée en online. Donc merci donc Camille de m'avoir suivi, merci Sally de m'avoir suivi, merci GG de m'avoir suivi, ainsi que les 4 autres personnes. Voilà, donc je pense refaire un live, donc je sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est ce soir ou demain, mais je pense en refaire. Donc pour The Last of Us 2, c'est prévu aussi. Voilà, donc même si j'en suis quasiment à la fin, mais c'est prévu aussi. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à vous les studios et à bientôt pour de nouvelles vidéos.